Bienvenue, cher Gémeaux, sur votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc, pour une personne à laquelle vous pensez, si vous êtes séparé, divorcé, s'il y a un lien également avec votre cercle familial ou amical. Voilà, donc comme d'habitude, je présente en fait les points différents de votre tirage. Ici, vous avez la carte d'ambiance pour la période donnée. À ce niveau-là, il y a trois cartes, donc le présent, l'obstacle ou la chose à développer pour positiver les choses, la situation, l'évolution de la situation. En dessous, on a l'orientation pratique à prendre. Ici, une guidance émotionnelle et en dernier point, donc une évolution de la situation également, ou une synthèse si vous voulez. Voilà, donc on commence par la carte d'ambiance qui est l'arcane de la Lune. Donc l'arcane de la Lune, je vous la rapproche parce qu'elle est un peu loin pour être très visible. Voilà. Donc, l'arcane de la Lune signale donc une instabilité, une période à clarifier, une période dont le passé, les souvenirs sont importants, peut-être une sensibilité, une fragilité, tout dépend de, en fait, évidemment, du reste du jeu. Donc, on va entrer tout de suite dans votre jeu. Et on va développer, comprendre pourquoi donc cette première carte. Sur le premier point, donc qui concerne le présent, ça tombe bien, c'est la carte temporelle du présent. Et cette carte, elle vient en fait signaler, alors pour certains, ça va être la fin ou le début d'une nouvelle période. Ça peut être de toute façon, dans les deux cas, les résultats concrets d'une période intense, en tout cas, je pense, intense et mouvementée, qui a eu lieu juste avant cette période du présent, donc du passé, en fait, hein, qui concerne un passé récent. Hein. Et donc, ça n'a pas été, je pense, concluant, et je parle de cette façon-là parce que la carte suivante, qui concerne donc l'obstacle, c'est la carte de la chute qui est renversée et c'est une carte qui parle de pénibilité, de difficulté. Je pense que c'est une difficulté par rapport à une relation, un projet peut-être en commun à mener jusqu'à terme, une difficulté à vous impliquer dans une relation, dans un lien particulier, donc avec quelqu'un, que ce soit amical, familial ou amoureux, hein. Il peut y avoir un sentiment de peut-être d'impuissance. Et même, je pense aussi, quand je regarde les autres cartes qui influencent et qui vont un peu dans la même direction, peut-être donc de la tristesse, ça c'est sûr, et qui provoque de la passivité, peut-être pour certains, du renoncement, de la soumission à une situation donnée. Et sur le troisième point, sur l'évolution de la situation, on a la carte renversée également de la guérie. Et cette carte de la guérie, quand elle vient dans ce sens-là, alors déjà au départ, quand elle est dans son sens à l'endroit, elle parle d'une force d'investissement importante, de détermination, de très grande motivation et donc d'implication dans une situation, tandis que là, elle est renversée. Ce qui montre pour moi dans l'évolution de la situation qu'il y a donc pour moi c'est du découragement avec d'un autre côté de l'impatience, de la nervosité.
par rapport à ce qui n'a pas été concluant pour vous. Hein, on en a parlé sur le départ, sur la carte du présent. Et je pense que ça va dans cette direction-là, dans un premier temps. On va passer sur le deuxième, l'autre niveau de carte, l'autre jeu. Alors, de quoi il nous parle ici sur le premier point, donc l'orientation pratique qu'il conseille de prendre. Il indique qu'il faut prendre patience, qu'il faut avoir de l'endurance. Et je pense que, alors avec la carte présent qu'il y a juste au-dessus, je pense que malgré en fait ce dont on a parlé tout à l'heure, avec cette carte présent, je pense qu'ici, vous faites preuve quand même de résistance et d'endurance par rapport à une situation qu'on a dit passée, qui était mouvementée, intense, mais qui n'a pas été concluante, par rapport donc à un lien particulier, à un investissement dans une relation de votre part, relation, là je parle plutôt amoureuse. Et donc il y a eu un sentiment d'échec, mais je pense qu'ici, il y a du lâcher-prise que vous avez, avec l'espoir d'une réalisation meilleure quand même, que vous avez en tête et à laquelle donc vous pensez. Sur le deuxième point, on a la carte qui s'appelle l'aigle. Alors, cette carte, elle est très importante parce qu'elle parle de guidance émotionnelle. Enfin, moi, j'en donne vraiment une grande importance parce que ça fait partie de votre guidance intérieure et auquel je pense vous apportez une grande importance. Et là, elle vous amène à prendre du recul, elle vous dit en fait d'être responsable dans le sens où vous avez le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir de décision, le pouvoir de faire des choix, même si, on le voit avec la carte au-dessus, même si vous avez ce sentiment d'être trop vulnérable, d'être dans un sentiment d'impuissance, d'incapacité d'agir, alors peut-être pour inverser une tendance qui vous est défavorable, pour vous impliquer dans une relation qui vous pose problème. Et en fait, on vous dit que c'est vous qui avez ce pouvoir de décision, ce pouvoir de structurer la situation pour aboutir à quelque chose de plus positif. Même si vous ne voyez pas comment y parvenir pour le moment, le fait de rester justement un petit peu en retrait, comme on en a parlé juste avant, dans la passivité, la soumission, peut-être une soumission, c'est peut-être qu'une apparence. Parce que en fait, vous êtes en train on a dit ici, de réfléchir à comment agir. Et sur le troisième point de ces trois cartes, on a le chakra du troisième œil. Alors, avec le chakra du troisième œil, sur cette évolution de la situation, c'est très positif. En fait, pour moi, la situation là, eh bien, c'est cette carte qui représente l'aspect le plus positif et c'est sur l'évolution, le devenir, les perspectives de la situation qui, au départ, est un peu compliquée. Et donc, avec ce troisième œil, cette carte, eh bien, on vous dit, alors j'ai pris, voyez le titre par rapport à ça, de cette carte. En disant ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, c'est-à-dire observez, ressentez et
clarifier vos désirs, vos envies, vos souhaits par rapport à la situation que vous voulez qui soit en devenir, qui devienne réalité. En fait, elle vous invite à ne pas vous décourager comme il y avait dans l'évolution avec les autres cartes. Elle vous invite à ne pas vous décourager et à trouver les points positifs malgré tout qu'il y a dans votre situation, à en tenir compte et à construire quelque chose d'autre, puisque vous avez le pouvoir de décision, les choix et la responsabilité, de vos choix, bien sûr. Vous en êtes capable, pardon, très, très capable. Simplement, il ne faut pas rester dans la passivité, rester dans le brouillard, de la confusion que a pu vous procurer la situation de départ. Et ne vous laissez pas, ce qu'on vous dit, donc j'écoutais, ne vous laissez pas guider par des humeurs, des états d'esprit qui risquent de vous faire plonger, tomber dans la morosité avec la lune, hein, et la carte qu'il y a juste en dessous, la carte de la chute qui est renversée justement. Ça, c'est un risque. Voilà, chers Gémeaux, pour votre tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage, très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.